Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. Nous allons reprendre là où nous en étions la dernière fois. On va parler au Coon dans le repère du Coon pour balancer des infos sur les potes de la liberté. Mais est-ce que c'est ce que nous voulions faire? Il me semble que c'était ici. On m'a prévenu dans les commentaires qu'il y avait encore des maisons apparemment que je n'avais pas faites. Alors est-ce que je les ai faites entre temps? Je ne sais plus. Je veux bien vous admettre que... Vous avouez que je ne sais plus. Faudrait que j'aille à poil plus vite. Allez, sprint! Sprint, Marcus, t'es censé être un speedster de base. Il est pas censé y avoir un passage pour piétons dans le coin? Voilà. Mais je pense que je l'avais déjà faite. Ça, c'est le planning des DLC. Mais alors ça, le fait qu'ils aient rajouté ça, c'est complètement pété. C'est tellement simple. Ouais, je l'avais fait. C'est marrant qu'elle soit fermée. Et... Non, apparemment, il est... Non, apparemment, elle est fermée. Je pensais que c'était cette maison-là. Bon, c'est pas grave. On va aller voir Coon. Enfin, Cartman. Et on va avancer. Parce que je me suis rendu compte que c'est peut-être un de mes problèmes sur la série. C'est tout simplement que je suis trop lent à avancer dans les histoires. Ce qui fait que j'ai des séries, comme par exemple Shadow of War, qui n'avancent pas. Et je finis par me lasser. C'est un problème. Si t'as changé le mot de passe encore, ça va pas le faire. Fille non autorisée. D'accord. No. Ah oui, no girls allowed. Ouais, par contre, si ça commence à partir... Girls. C'est bien ça. Si ça commence à, à être mal traduit, ce serait dommage. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, désolé, j'ai l'impression d'être tombé malade en quelques temps, en quelques secondes. J'avais pas envie de le faire. All right, guys, listen up. Buttlord has discovered that the Freedom Pals are infiltrating the police station tonight. We have to get there before they do. The police station? We can't take down the police, are you crazy? Yeah, just let the Freedom Pals go do it. We can't do that, guys. Why not? Because at approximately 10:30 a.m. this morning, Classy was arrested by the police. How do you know? C'était très poli la façon dont c'est demandé au moins, c'est ça. We made a promise. If we let Freedom Pals go do this on their own, then we're the douchebag franchise they say we are. But why would Freedom Pals work with us? Don't forget the new kid is all buddy buddy with Freedom Pals now. But Lord can treat them into an assault on the police station, and meanwhile we'll sneak in and bust Classy out. We're probably gonna get the Freedom Pals killed. And then whose superhero franchise would be number one? We did make a promise to Classy. We have a big job to do tonight. Oh les enfoirés! Comment ils ont tous retourné leur veste d'un seul coup? Go home and wait to hear from the Freedom Pals. Non. Quatrième classe. What do you want now? What? Again with the puppy eyes. Are you fucking kidding me right now? No, new kid, absolutely not. You cannot have another class. Look. I'm sorry about what happened to your mother. I know that you want closure, but... Oh. No, I guess I don't know how it feels. You're right. You're right. Maybe you should have just one more class. Ça fait combien de classes? Plantmancer. Herbome ancien, doté d'une mystérieuse faculté à contrôler les flux du combat. L'herbome ancien renverse l'issue par sa capacité à soigner, renforcer et rétablir l'équipe au grand complet. Maître des arts martiaux. Le match, ça ne correspond à rien de ce qui m'intéressait. Moi, je suis plutôt... Ah, je peux pas revoir les miens. Merde. Cyborg. Ouais, je suis excité, effectivement. Et t'as pas idée à quel point je suis excité. Ah, peut-être un télépathe. Cyborg. Blaster. Je sais pas, parce que finalement, j'ai déjà plein de classes complètement pétées. Brutalist, psychic, assassin, psychic,
A sense of urgency is also an important trait for superheroes. Ouais, je suis pas méga convaincu. Blaster. Allez, c'est parti pour Blaster. Allez, c'est parti, vendu. On reste dans les flammes, le rouge et tout ça. Après tout. As a blazing blaster hero, you began to overheat as the fire in your belly ignited. You wasted no time delivering sick burns into the villains before you. Ok, alors je les brûle, c'est ça que t'es en train de me dire, ok. A chaque fois je le foire celui-là. C'est pas grave. As the flames cleared, the intruders realized what they were up against. Shit, this little flamer means business. Didn't your mom tell you not to play with fire? The intruders moved into attack. Ça fait mal. Pourquoi vous parlez mal de ma maman? La lumière qu'on chie. Alors, c'est chaud, ça brûle? Oh mon dieu! Oh, c'est pété comme sort ça! C'est complètement pété! C'est trop débile. J'ai vu des commentaires Steam sur le jeu qui étaient complètement ahurissants. Oh, rayon plasmique. Dégage. Oh non. Ah, ça fait mal. Ouais, on l'a bien calmé. Non. Le canon de cul. Le P de la mort inflige dégoût et combustion. Le P de la mort, j'ai bien choisi. Je mange mes propres flammes. Grosse référence à un animé avec un certain Natsu Dragnir. Ah putain, j'ai vu le fond de mon cul, je viens de comprendre. You ran to your parents' door, and before anything bad could happen, you ran inside to protect your mom. But you were too late, your dad totally fucked her. Oh, it must be tearing you apart inside. How people can do that to other people? T'as pas idée à quel point. I'm so sorry. J'ai vu mon propre trou du cul de l'intérieur. I'll see you at the police station. There's nothing more to talk about. Touch tonight after your parents think you're sleeping. Oui, on retire le costume. Ah, c'est dans l'autre sens, pardon, autant pour moi. Voilà, chose faite. Ouais, bon, bah tant pis, apparemment. Oh, excellent. On arrive donc près de la fin du jeu. J'ai tellement de pognon. J'ai tellement rien pour les utiliser. Pour l'utiliser, pardon. Oui, je serai de retour, t'inquiète pas. Ok, c'est parti. On rentre à la maison. Bon bah, quatrième classe, les amis. Attendez, du coup, quatrième classe, effectivement. Oui, vous avez raison. Merci de me prévenir. Pouvoir. Alors, du coup, on a ça qui était très très cool. Mais qui est pas aussi pété que le P de la mort. Qui est beaucoup plus situationnel, le P de la mort, mais bon. À quel prix? Ça, c'est pété. Ça, c'est... Enfin, c'est pété. Dans ce jeu, faut faire attention à la façon dont tu le dis, mais... Exploseur, triple brûlure. Je me rappelle plus, c'est quoi c'est... Ah oui, c'est ça. Ah. La longue portée de ce truc-là me donnerait envie de le garder. Mais dans ce cas-là... Je perds une attaque de zone assez intéressante. 215, 148. Le aucune limite à mon pouvoir, par contre, est pas. Ou alors je mets ça à la place. Ah! Ok.
Ok. Ça c'était pratique l'aspect. Parce qu'en plus dans les trucs qui brûlent, je n'ai que celui-là qui brûle. Donc si je voulais vraiment jouer avec les. Oh, on va prendre ça, tant pis. Je prends ça. Ça fait moins de dégâts aussi, c'est ça qui est chiant. Ah, je suis. Congélation, c'est pas mal aussi. Hein. C'est qu'une seule cible. Je garde ça. Je mets ça. Non, je mets ça. Ouais. La puissance brute. Allez, on est parti pour ça. J'avais la foudre. J'aimais bien la foudre. Ah, je vais mettre la foudre avec. Tant pis. Je vais mettre la foudre avec. Et puis tant pis, on verra si c'est efficace ou pas. Voilà, comme ça j'ai foudre. Et là j'ai envie de mettre flamme, donc je vais mettre flamme. On va changer de style de combat, c'est pas grave. Donc je vais pas mettre flamme ici, je vais mettre la. Voilà, je vais mettre. Voilà. La foudre là. Ah, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à me décider. On va mettre ça, ça. Et ça, on va le garder parce que c'est complètement pété. En vrai, c'est complètement pété. Ce serait quoi les autres trucs, de toute façon. Y'a rien d'autre de vraiment. De vraiment pété. Non, rien d'autre de vraiment pété. C'est vraiment ça qui soit complètement pété. Il y a vraiment que ça qui soit complètement pété finalement quand on y pense. Maintenant, il faudra que je trouve les artefacts qui vont avec l'amélioration des dégâts d'effet. Il faudra que j'améliore tout ça au moment venu. Ok, on s'en est sorti. Ça fait juste 10 minutes. Il s'est pratiquement rien passé à part une cinématique, un changement de classe. Mais ce n'est pas grave. C'est nouveau ça. C'est complètement nouveau ça. Papa, maman! Wouah! Ils m'ont même pas fait à manger! It's okay, honey. There's just something in my eye. Ils m'ont même pas fait à manger! Je suis censé avoir 10 ans! Enfin, 9 ans, je ne sais plus. 9 ans, je crois. Comment ça se fait que j'ai même pas à bouffer? Ok. Ok. Bon. Alors, un instant, chers amis. Je reviens parce que là, faut que j'aille me moucher. Ça va plus. Re, chers amis, excusez-moi. Hop là. On est bon. J'ai reçu des jouets. Le costume du danger. Why not? Le costume de lutteur. D'accord, c'est pour un personnage féminin. D'accord, ok. J'ai compris. What? What? Le costume de Cartman, il est où? Ouah, j'ai pas encore vu le costume de Cartman! Quelle horreur! Pourquoi? Ah, par contre, regardez, je suis plein! Non, c'est bon, je croyais que j'étais plein. Wouhou! On a gagné un truc. Quoi exactement? Personne ne le sait vraiment. Ok, c'est parti. Sweetie, you forgot to eat your dinner. Mommy put it down on the table. Non! Tu l'avais pas mis sur la table. Je m'insurge. Did you put more of that stuff in our child's food? Shut your fucking mouth! How do we know that medicine doesn't have side effects, huh? You know our child needs the medicine as much as I do! You drunken whore! Fucking butthead! How dare you make our child choose sides! You put the medicine in his food, too! I'm not having anyone choose sides! Go on down and eat your supper, champ. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Bon bah. Non mais vraiment, là j'ai une grosse envie de. D'apprendre la leçon à mes parents.
Oh, qu'est-ce que ça? Non, c'est la même chose que d'habitude. Autant pour moi. Il manquait quelque chose dans ma bouffe. J'aurais pas dû avaler mon repas. J'ai été couillon de le faire. J'ai été complètement couillon de le faire. Je sais pas s'il y avait une alternative, mais j'étais complètement couillon de le faire. Ouais, non, non, là, je... New kid, get dressed and meet me out front. Hurry, oh, the night awaits. Maman. Oh. Oh. Je peux sortir par la fenêtre, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux sortir par la fenêtre. À droite. Je veux sortir par la fenêtre. Oh, putain. Je suis Mysterion. Il est sorti par la fenêtre, lui. Oh non, il va être encore en train de... Ouais. Ah non, il est même pas là. Qu'est-ce que... Tout est déverrouillé, qu'est-ce que c'est... Il y a du laxisme chez les parents depuis... Pourquoi il y a des fringues? Bon, là, les bières, ça m'étonne pas. Connaissant maman, y a pas de soucis. Y a plus personne, plus de cadavres, ni rien. Enfin, des cadavres de bière, y en a, mais... It's about time. You know how hard it is to look mysterious when you're just standing around in some kid's front yard? It's pretty fucking hard. I'm fine with us, new kid. It's been tough being the only one on the team with real superpowers. While all the other kids are playing and working on their franchise plans, I'm stuck defending the city against evil, with barely any work on my pitch for a Mysterion spin-off movie. Sometimes it feels like a curse having these powers. You know how it is, because you're like me. I'm sure the power of your ass weighs heavy on you. Ok, c'est pire en pire la nuit, ça pas. Wow, un mec à poil en train de faire du vélo. Wow, il se passe plein de choses la nuit en fait. Ouais, ils ont pété un plomb, ça j'ai remarqué aussi, c'est clair qu'il y a un truc qui va pas. Mais check out that tiny police officer. T'as dit quoi là? Hey, you kids shouldn't be wandering around. This is adult time. Go to bed. Je crois qu'on m'a mal parlé. What a bunch of dicks. J'avoue. Ok, il y en a un qui fait caca devant une porte. You're really mysterious, new kid. And coming from Mysterion, that's really high praise. Ouais, je me doute, mais Look, there they are. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Wouah, c'est la merde à South Park. Once we get inside the police station, Toolshed and the new kid will set up a diversion and then the... Wait a minute. What the fuck? Yeah, come on, guys. We've got to get inside the police station. What are you assholes doing here? We're here to investigate a hot lead regarding the South Park police. That's what we're doing. Oh, no. No, no. This is our superhero mission, Freedom Pals. Fuck you guys. Get lost before there's a fight. Fellas, fellas. Have we all forgotten there's a little girl in trouble in there? Fast pass is rats. I suppose that just this once we should put our petty differences aside and work together. All right, Mysterion. What's the plan? I think some of us should cause a diversion. Make the cops head towards it so the rest of us can sneak in without the cops noticing. Good idea. Coon friends will go up the fire escape and cause the diversion so Freedom Pals can sneak in the front. This is all pretty coincidental. Did you guys just steal our lead again? Innocent people are being arrested, Toolshed. That's all that matters to us. It should be all that matters to you. Okay, Coon friends up the fire escape. Come on, guys. Stand by. We gotta wait for the diversion. Come take a look at this. Pardon, pardon. Hop là. Oh, j'ai eu peur quand je l'ai vu pencher. Pourquoi c'est ça qui me choque alors que c'est en train de... Bring the coke. Ok. On y va, c'est parti. Je peux enfin re-rentrer dans le commissariat. Ça c'est la bonne... Bah non plus, je l'ai... Pour la première fois, je ne l'ai pas vu venir. Ah, shit. I guess we're dealing with these guys ourselves.
Bah alors? Hello? Étrange, mais pourquoi pas? Bon, bah, je pensais que ça les buterait, mais non, tant pis! C'est pas grave, on va pouvoir tester nos nouveaux super pouvoirs. Et l'avantage maintenant, c'est que je devrais pouvoir toucher, non? Eh ben non, donc on va doubler. Ok. Hop, je sais comment je vais faire. Putain, chaque fois, j'y arrive pas. J'en chie à ce truc-là, c'est fou. Alors que c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Et donc là, je ne pourrais pas le faire non plus. Donc autant achever cet homme. Ah, ça y est. Là, j'y suis arrivé. Non! Un instant! Hop les... Invocation! C'est quoi, moi aussi je vais le faire bouger deux fois celui-là. Enfin, ça sera fait. Hop les... Première attaque! C'est parti, excusez-moi, je me recule un petit peu. Voilà, je bouge le micro bien par là, toi. Voilà, et de 1. Voilà, ça c'est fait. Ok. Tweak! Tweak is back! Vas-y, Tweak! La tempête se prépare! Voilà, ça c'est fait. This is my time. This is my time. Dégage de mon chemin! Et... Si. C'est parti! Ah si, elle attaque à gauche, à droite, j'avais oublié ce détail. Ouais, j'avais oublié ce détail, elle attaque pas dans la profondeur. Dommage. Dommage, dommage. Aïe! Putain, il m'a attaqué des deux côtés. Et ben voilà. Ça c'est fait. La toute puissance de la foudre. Ça c'est fait. Bon, le vrai truc, c'est qu'on a quand même réussi à... Attendez. Break room. Cette musique. Cette musique complètement épique. Rien d'intéressant, donc non, pas du tout. Bon, bah, on se bouge, hein, y'a pas de soucis. J'étais en train de chercher en fait. That's enough. Just stand down, kid. Non? Look, I know why you're here. You're fed up. Because you think all cops do is harass black people. I know that to a young kid it can seem like cops are racist and bigoted. But you can't believe what the media tells you. Cops are just people, like you, your friends, your family. People who work hard to- Spook! Tupperware! Damn it, Levinsky, get your ass upstairs, sir! And turn on the alarm! Ah puis il s'arrête là, je pensais qu'il allait reprendre son speech à la con, mais non, même pas! Let's get those guys! I'm ready for some revenge! Non, il y a ma lumière qui en chie de plus en plus. Softroom, bonjour. Est-ce qu'il est là? Et forcément, il n'est pas là alors que j'avais besoin qu'il soit là. Enfin, besoin, tout est relatif, mais vous m'avez compris. Non, il va falloir que je m'appelle une lumière digne de ce nom. Vraiment, il va falloir que je m'appelle une lumière digne de ce nom. Mais ça coûte la peau du cul, une lumière. Superware, on y va. Moi, je sais. Ah ah! Et quand il pète, il trouve son slip. Pardon, désolé, c'était trop facile. Appelez. Voilà.
maintenant si ça ne te dérange pas. J'aimerais récupérer tout le bordel qu'il y a là-dedans. Ok. On a un autre. Et là le truc est cassé mais elle fonctionne quand même. Logique. Hop les. Pourquoi j'entends déjà... Oh, tâches de moine. Oh, les tâches de Krilin. Trop de style. Pourquoi j'entends déjà... la chanson de Lemmy Wings. Ah, je suis à portée. Oh, non, non, je ne veux surtout pas avoir à faire ça. Je sais plus c'est quelle touche, celle-là. Voilà. Bon, bah tant pis, on va devoir le faire, hein, c'est... J'ai besoin de toi. Je peux pas faire ça, je déteste faire ça. Oh, j'en avais oublié le son. Allez, c'est parti. Hop là. T'aurais pu au moins me ramener en bas. Tu permets, je redescends. Merci. Hop. Voilà. Et puis c'est déjà barré en plus. Trou du cul. Hey, it's Dewey. I forgot what I was gonna say. Oh shit, I'll be right back. Ok, bah reviens, y'a pas de soucis, je... Recette de l'accélérateur de accélérateur de tantal. Attendez. Nouvelle création. Voilà, passage au niveau 18 au passage. Si ça, c'est pas la fête du slip. Putain, 250 par 250, ce machin-là, ça fait mal au cul. Ok, j'ai des tous, on est d'accord. Il me faut le rang 19 pour ça. Ok. Et est-ce que ça fait mieux quelque part, du coup? Mon plus faible ici, c'est ça. Il est toujours à 80 et l'accélérateur de Tantal, il est profondément enfoncé dans mon trou du cul. Emplacement épique, c'est là, non, qu'il est? Non, il est pas là non plus. Épique, non. Majeur, peut-être. Ah ah. Le Tantal 1 et le Tantal 2 sont pratiquement pareils. C'est juste les dégâts de coup critique qui changent. JP en récupération de santé, cela dit. Mais j'ai plus de santé max. Bah, on va profiter de ça, alors tant pis. Hein. On va profiter de ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Ici, je pourrais rajouter celui-là, mais je vois pas ce que ça va changer. Je vais gagner un de cervelle, donc on va le prendre. Ça me fait grimper en puissance. Mais non, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, moi je vais aller là avant, ça te dérange. Bah en fait non, je vais pas y aller. Ok, c'est parti. Hey, get us out of here. Token, thank God you're here, son. Dad, what the fuck are you doing here? C'est moi ou il y a beaucoup de personnes colorées dans cette prison, c'est quoi ce bordel? Il faut que je vienne parler à Token. Ok. Hey, you're that little asshole that got me in here. Et bah, je suis le mec qui va t'en sortir aussi, donc te plains pas. Ouf. Oh, je me suis pris un coup direct. Oh la vache. Oh, cette musique. Oh, j'aimerais tellement être à la place de... Non. Non, je m'y refuse. Et genre, quand je dis que je m'y refuse, c'est clairement contre toi. Qu'on se mette bien d'accord, hein. Aïe! Bouf. Un deuxième coup de toute façon on a que ça à faire pour nous. Vu que j'ai pas mis le rayon plasmique.
Et voyez, je commence à le regretter, le rayon plasmique. Je commence sérieusement à le regretter. Par contre, faut vraiment que je fasse un truc aussi pour ma chaise. C'est une catastrophe. Ok. Est-ce que je touche? Là, oui, je touche. Intéressant! Boum, 98. Pas du tout en place pour ce qu'il faut. J'ai oublié de faire mes deux tours. Ah, le Seigneur nous a donné deux tours. Tant pis. Bon, de toute façon, en tous les cas, il risque de crever incessamment sous peu. Aïe, Tweak ne t'a rien fait, bonhomme. Voilà, ça t'apprendra. Et là, c'est Token qui prend. Ça fait mal, hein. Ah, oh, ah oh oui, il est temps. Et donc là, on va enfin pouvoir savoir s'il y a un truc à faire avec son esprit. Bel et bien. C'est tout. Bon bah... Il revient. Ok. Ah maintenant je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que potentiellement il va quand même... Il va quand même mourir. Maintenant, non? Cool. Et donc là... Oh... Hante un adversaire, le congelant par contact. Applique sans défense à un ennemi. Terrifie et embrouille un adversaire. Ah, mais je veux tellement l'utiliser, ça. Je m'en fous, je vais l'utiliser. Je vais me déplacer jusqu'à ce que je vais être en mesure de l'utiliser. Il va me buter, mais c'est... Enfin, buter mon ancien moi, mais... Mais ce n'est pas grave. Hop. Je vais l'utiliser. Rien à foutre. C'était balèze. Et du coup, attendez, qu'est-ce que c'est que son ultime alors? C'est la résurrection? Tu te fous de moi là? Je le congèle, juste pour voir. Hein. Hop là. Téléportation. Je suis un vrai connard, mais... Hop, je soigne Tupperware. Voilà. Là, je vise mon double tour. Je vais essayer de gaspiller un maximum de puissance. Voilà, pour faire grimper petit à petit mon truc. Mais c'est plus compliqué que prévu. Bouh. Embrouillage. Ok, on y est presque. On se re-téléporte. Hop là. Alors pourquoi il y a une interaction à la téléportation, je ne sais pas. Ah, pour ça, sans doute pour le bouclier. Et là, on est bon. Alors on va voir maintenant, enfin, ce que ça fait. La résurrection. C'est ça en plus. Hein. Tous les coups, ça va être ça. Je vais me mettre là. Mysterion, c'est ta vie, reviens à la vie, soigne les alliés proches. Ouah, c'est pété! Et non. Ouf, d'accord. C'était pas prévu, désolé. Le monde a besoin de lui. Le monde a besoin de Mysterion. Ah putain, c'est pété. Je m'attendais pas à ça, mais c'est pété. Ou plutôt, j'aurais peut-être dû m'y attendre. Allez. Cette capacité de déplacement qu'a Mysterion.
Oh, 4 coups, quoi. Oh là là, on a que des trucs stylés là en ce moment, hein, je veux pas dire, mais de l'hyper-vert. Et je viens de comprendre ce qu'il y a sur l'image, sans doute. Ok, I know this looks bad. You really think cops just go around arresting black people for no reason? What purpose could that possibly serve? It's reverse discrimination, that's what it is. If we were all black cops and our jails were filled with white people, nobody would say a word. So I guess you've learned that the real bigots here are you. Huh, kids? Guess you can all go home. No? Fuck. Allez, appuie sur le bouton, Token. Oh, un cadavre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de cadavre. Ok. Cool. Ok. Ok. Ok, bon bah pas mal tout ça. Pas mal. Eh bien écoutez les amis, du coup on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.